Hello à toutes et à tous, c'est Gep et on se retrouve pour le deuxième épisode de Death Note UHC. Donc rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on a commencé tranquillement, on a récupéré tout ce qu'il fallait à la surface, des livres, de la bouffe, des pommes, etc. Et nous sommes ensuite descendus en cave. À part ça, on n'a pas fait grand chose, mais bon, c'est les épisodes 1, c'est toujours pareil. Mais là, tout va s'accélérer, puisqu'au milieu de l'épisode, il y aura le PVP ainsi que l'annonce des rôles. J'aurai donc le choix entre 4 rôles, le Kira, le L, le Shinigami ainsi que l'enquêteur. Bref, allons-y. Et re tout le monde. Et re. Épisode 2 de Lay the Banner. Ah non. C'est trop bien. Ouais. Non. Mais il faut des panneaux pour amener le tripane. Bah quoi, il faut vous guider. Oh, ils ont fait la table, trop bien. C'est quoi l'annonce des rôles? Tiens là. C'est 30 minutes je crois. C'est bientôt? Ouais, 30 minutes apparemment. Eh, c'est bientôt que je saurai que je suis un... Non, c'est quoi en anglais? C'est Dieu de la mort? Ouais, God of Death. God of the Death. Non, pas vous êtes. Non, mais en fait, je veux dire en japonais, du coup, ouais, parce que Shinigami, c'est dire Dieu de la mort en japonais, c'est pour ça. Ah, oh, mais t'as tellement de culture. Eh, mec, attends, parce que moi, en fait, tu vois, genre, ouais. J'ai mis 6 à 10 notes. J'ai fait 2 jours de japonais, donc. Pour de vrai, je l'ai pas pris, mec. Quelqu'un a dû faire, je sais pas fou faire. Je crois que c'est Clem qui a taxé à la table. Non, ça doit être Clem. Ouais, elle est où la table? Clem, il y a pas de pioche. Clem, arrête. Merci, Libé. Ok, c'est Nanox. Mais j'ai rien, stop là. Nanox ou t'as vu? Le mec il fait intéressant, il peut déjà faire la top 1 qui sait même pas s'il va l'être. Mais Clem, pourquoi t'étais coincé dans l'eau là? Bah c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Nanox. Tiens. Mais Nanox repose la table immédiatement. Mais j'ai pas la table. Nanox. Il a fait juste avant de prendre la table d'enchantement, donc bon. Nanox. Non. Nanox. Quel bolos. C'est ma table, prends la moi. Je n'ai pas. Ah, par contre j'ai plus de... J'ai plus les réflexes soldats. Ouais, c'est bon, faut que j'aille tout faire. Oh la table! Il y a la table! Ah bah elle est là! Parce que Clem. Ah bah putain! Non mais, eh, hey, donne! Mais what? Gap, c'est toi qui as volé la table! Mais non, j'ai non, c'est Lib! La table. C'est Lib, il vient de la prendre! Ah mais oui, non, mais ça oui, mais c'est qui l'avait? Ah mais je l'avais mais pas! Mais tu vois que c'était pas moi! Mais c'est qui? C'est pas Clem, c'est pas Gap! Hashtag HugeCock! HugeCock, you are shame! Putain, mec! Y'a rien dans la cave, je sais pas l'autre. Bah si, il a bien trouvé du diable, ce Gap! C'est faux! T'es sérieux? Ah non, y'a pas de diamant! Ah si! Mais non, y'a rien! Il a oh merde! La commande, y'en a pas! Oh, what, tu es traître! T'es en fait des gros cons! Non! C'est médium, s'arrête! Ah, y'a pas le PP! Il fait sa game tout seul! Je vais te donner les coordonnées! C'est qui a la table? Bah, écoute, t'as la table! C'est Libé! Ah, j'ai pas la table! Putain, on a perdu la table! C'est qui a la table? C'est toi qui l'as, Jimmy? Non, vraiment, c'est pas moi qui l'ai. Mais c'est pas moi! Vraiment! C'est Daiko, je l'ai vu la prendre! Tu m'achèves pour vérifier mon stuff, mais voilà. Je te jure, je l'ai pas. Voilà, aujourd'hui, t'es encore liberté! Il est innocent! Je suis innocent contre ma Pourquoi tu fais cure d'hiver pour l'enclume? Parce que t'as la table? Pourquoi t'as la table, Gap? Ça, c'était Gap qui avait la table. Putain, c'était moi qui ai la table, finalement. C'est Gap qui a la table. J'ai pas de la pisse, on m'a pris mon la pisse. Ça, t'as un gros mytho quand même, Gap. Un truc, je t'ai record, mec. Ça, je t'ai record. Rien. Salut, vas-y, salut, bah, le mec, chat. Montre ta preuve direct. Salut, le chat. Merci pour ton subscribe. Merci pour le don. On peut laisser passer pour faire un courant. C'est pour faire un courant d'air. Oh bah t'as trouvé Gaps? Non, on va tout dans le laser après. Gaps, viens, je suis allé là. Tu l'as miné? Et ça me laisse pas l'expérience. Le grand ça me casse les couilles. Ouais, j'ai rien. Hein. C'est bon, il y a la clé. Oh, okay. Oui, pour rejoindre le truc de Gaps. Ouais. Vite, on court pour les Diams. Je vais être le premier. J'aurais pas dû le dire que j'avais une clé. Diams, tu as acheté. Mais bon, tout ce fun va très vite s'arrêter car ça va être l'heure de l'annonce des rôles. Ah, mec, je suis chill pour l'instant. Oh yeah, je suis enquêteur. Moi aussi, pour faire quoi?
faut enquêter. Il faut enquêter, lol. Je suis donc enquêteur. C'est le rôle de base, pas de chance. Mais comme je l'ai dit, contrairement à un Top Gun, le rôle basique de gentil a quand même des outils pour faire bouger la game. J'aurai à ma disposition une loupe que je peux récupérer en faisant slash e-claim, qui me confère deux pouvoirs à utilisation unique. Le premier me permet d'analyser un joueur de mon équipe. Pour ça, il faudra que je sacrifie 3 coeurs de façon permanente. Et l'analyse commencera sur le joueur que j'ai choisi. Il faudra cependant que je reste à côté du joueur en question pour que l'analyse avance et se termine. Jusqu'à ce que ça me dise si le joueur est innocent ou non. Je ne peux utiliser ce pouvoir qu'une seule fois dans la partie. Le second pouvoir me permet de connaître la vie d'un joueur de mon équipe. C'est cependant gratuit. Et encore une fois, je ne peux le faire qu'une seule fois de la game. Mais bon, c'est encore tôt dans la partie. Continuons de miner. Ouais. Tu gagnes aussi 10 coeurs d'absorption pour toujours. Et une pomme en or. Et une pomme de noche en diamant. Ça marche pas, bizarrement. Aïe, il m'a attaqué. Quoi? Je t'ai vu tomber tout seul, Gap, il était. C'est Nanox. Je me casse. Et Gap, c'est quoi ton rôle? Bah, le coup de pas rentrer l'item. Sorcière. Aïe. Je suis salvateur, mec. Moi, je suis loup-garou. Moi, je suis juste con, mais pas loup. Aïe. Ouais, t'es pas con. Ah, je te vois. Ça va, mec? Je suis derrière toi. Tu sais, Gap, je suis quasiment sûr de savoir ce que t'es. Eh, je suis derrière toi, mec, regarde. Ouais, je sais que c'est Gap. Ah non, non. Mec, tu sais que je suis quasiment sûr de savoir ce que t'es. Et pourquoi tu penses que quoi? Non, mais du coup, je te dirai plus tard, mais. Attends, on va aller dans les airs ou pas après? Merde, excuse-moi. Et c'est là que Nanox lance entre guillemets les hostilités en disant qu'il est quasiment sûr de savoir ce que je suis et qu'il m'expliquera plus tard. Sauf que le seul rôle qui peut savoir à 100% le rôle d'un autre, c'est le Shinigami, parce qu'il connaît l'identité du Kira, mais bon, je suis pas Kira. Il aurait aussi pu m'analyser, mais bon, il est pas resté proche de moi suffisamment longtemps, donc je pense pas que ce soit ça. Ce que je me dis à ce moment-là, c'est que je pense qu'il est Kira et qu'il croit que je suis Shinigami. Mais bon, c'est qu'une idée comme ça. Mais j'ai une épée Sharpness 2 en fer pour quelqu'un en plus. Je viens, du coup, je suis là. What? Ça va? Oui, d'accord. Moi j'ai un enchant du coup. Mec, mais en même temps, Gap, il a pété tous les trucs de diamant. Gap, qu'est-ce qu'il y a? Mais, je sais que mais Gap, yes. Sauf qu'il a. Ouais. Moi je pense que Gap, c'est encore. Kira ou. Ça c'est Kira tire ça. Kira, ah, c'est pas ça, c'est Kira. Je suis Jacques Chirac, mec. Ça c'est marrant. Jacques Kira. Au revoir. Jacques Kira. Ton humour ne te sauvera pas. Les pommes. Oups, merci. En fait, il y a eu un bug, je crois, de visuel. Ouais. En plus, t'as une charte de direct, merci mec, tu mets super bien. Et c'est déjà la fin de l'épisode, on n'a pas fait du trop parce qu'on n'a pas du tout fait gaffe. Mais bon voilà, c'est fini. C'était un épisode assez sympa, on a fait pas mal de choses, on a commencé le minage de manière assez sympathique, n'est-ce pas? Et puis il y a eu l'annonce des rôles, voilà, un rôle relativement sympa quand même. Et puis les petites accusations par-ci par-là, ça fait toujours plaisir au début. Et du coup, dans l'épisode prochain, on va continuer dans cette lignée-là. Du coup, eh bien, on se retrouve dans 2 jours, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like ainsi qu'un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Portez-vous bien, à plus tout le monde.